Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie, il me semble, je fais un attrape-rêve avec une toile en cœur en fait, en mix média. Voilà, donc avec un transfert de photos. Donc voilà ce que nous avons fait dans les premières parties. Voilà, donc ça. Voilà. Par contre, la photo est assez jaune. Donc, je pense que c'est l'encre. Je pense en fait qu'il faut les imprimer, les photos, bien 24 heures avant de faire nos projets. Il me semble que il y a quelques temps que je l'avais fait, ben, il me semblait bien que je les faisais un ou deux jours avant. Donc, je pense que là, ben, c'est pareil avec ce produit. Faut bien que ça sèche. Donc, laissez bien 24 heures entre le moment où vous les imprimez et le moment où vous faites le transfert d'image. Parce que, vous voyez, c'est jaune. Et encore, vous ne le voyez pas aussi jaune que moi, je crois. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer quand même de venir rectifier ça. Je vais essayer de faire avec de la vintage. Voilà, du spray vintage photo. Donc, on va essayer. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais on verra bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de l'eau d'abord. Et je vais venir faire un sheet. Va faire comme ça parce que je vais faire des bêtises. Je vais voir comme ça et on va venir faire couler, vous voyez, pour que ce soit un peu moins jaune. Je voulais que ce soit vintage, pas jaune. Nostalgie, c'est bien, mais pas jaune jaune quand même. Donc je vais venir m'aider avec un pinceau. Bon, on n'y voit pas grand-chose. Mettre un peu plus d'eau. Voilà, on vieillit. Ce que ça va donner. Ouais, c'est un peu moins jaune, on va dire. Mais bon, ça reste quand même. Ah, donc, on va sécher vite fait, voir ce que ça donne. Je suis désolée du coup pour le bruit. Donc là, j'essaye. Vous voyez, je suis pas de ma main gauche, hein. C'est pas. Voilà. Bon. Voilà ce que ça donne. Bon. C'est pas ce que je voulais, je vous dis, mais bon. Après tout, c'est pour moi, donc c'est pas bien grave si y a des loupés, hein. C'est une première, donc voilà. Donc moi, je vous dis pour le transfert, parce que je sais que ça marche super bien après, hein, c'est juste que je pense que c'est parce que j'ai pas laissé assez sécher mon image après impression. Donc, laissez bien 24 heures entre.
Et peut-être pas le faire sur de la pâte comme j'ai fait, puisque du coup ça rend l'humidité tant que c'est pas sec. Donc je pense que ça y joue aussi parce que c'est quand même mou encore. Et normalement ça devrait être largement sec depuis longtemps. Donc peut-être que sur des supports secs. Voilà. Vous pouvez le faire sur la pâte, mais prévoyez-le avant. Faites-la sécher avant, quoi. Donnez-lui la forme avant et après. Et après, faites le transfert d'image. Mais je crois que voilà, ça, c'est pas une réussite. Donc voilà. Après, ce matin, très tôt, je suis venue repeindre avec la top foncée et mélangée avec du gesso blanc. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait des taches. Je pense que c'est la colle avec le. Avec les sprays que j'avais mis la première fois, dans la première partie, mais qu'après j'ai changé parce que ça ne me plaisait pas, qui réagissait. Donc du coup, j'ai repeint encore un coup avec la top. Voilà. Et du coup, je suis venue peindre ben, tous mes embellissements au passage. Donc voilà. Là, je vois qu'il en manque un peu. Quoique, ben non, puisqu'après je vais venir le travailler. Ouais, non. Ensuite, on va venir arranger tout ça. Alors, par contre, on va être un peu trop. Voilà. Ce matin, je suis vite du coup allée à Cultura pour acheter. Ah non, c'est pas celle-là, c'est pas la même. Il m'en manque une. Ah oui, elle est là. J'ai pris de la Top Light. Du coup, et de la beige pour marier les couleurs. Et là, je vois que j'avais la amande de Americana. Voilà. Donc, je pense que je vais faire un mélange de ces trois couleurs. Donc, je vais venir en mettre un tout petit peu. Alors. On va essayer celle-là. Je la connais pas. Je l'avais trouvée à Noz et il me semble que je l'avais trouvée à un rayon cosmétique. J'avais trouvé que celle-là, du coup. Et je ne connais pas ces peintures. Je sais pas si elles sont bien. Par contre, on n'arrive pas à l'ouvrir. C'est sympathique. Non, je remets un peu voir. C'est un peu jaune. Bon, vous ne voyez peut-être pas vous à la lumière. Mais ça fait un peu jaune. Donc on va voir ce que ça donne par-dessus. Ça va pas. Je voulais un beige. Un beige. Là, ça fait jaune. Donc, je vais prendre le beige. What beige. Donc, c'est de chez Cultura. Oula. J'ai mis un peu beaucoup. Et donc là, voilà, je vais venir repasser sur les embellissements. Je les voulais blancs au départ, mais bon, je me dis que beige, c'est pas mal aussi. Vaut mieux le faire de l'autre côté, en fait, pas comme moi. Je pense qu'il faudra passer une autre couche.
Donc là, on fait attention, hein, parce que du coup. Si vous ne faites pas comme moi, que vous savez où vous allez, vous pouvez très bien les peindre avant de les coller, c'est plus facile. Des embellissements là. Bon, c'est parce que comme d'habitude, je ne sais pas où je vais. Donc, c'est du n'importe quoi, mais vous pouvez très bien le faire avant. Ce sera beaucoup plus facile. Je pense que je viendrai mettre un peu de vintage aussi pour faire un peu un effet vieux là sur les bords. Non, je repasse sur les anges aussi, du coup. J'en mets partout au passage, mais ça, c'est pas grave. Hop. Je suis désolée, du coup, je suis concentrée, je parle pas beaucoup. Parce que là, je suis concentrée. On vient faire les bords. Je viendrai peut-être après repasser une autre couche jusqu'à ce que ce sera sec si je veux, si je trouve que ça va pas. Et là, je vais venir le mettre ici aussi. Là, du coup, je viens repasser une deuxième couche là-dessus, puisque je vois que ça sèche. Bien sûr, vous pouvez accélérer hein, si ça vous intéresse pas, parce que ça, je crois que tout le monde sait peindre.
Voilà. Et je repasse là-dessus. Voilà, je vais arrêter là pour le moment. Je vais laisser sécher un petit peu. Du coup, je vais juste venir un petit peu par-ci, par-là, à l'éponge. Faire des petites ombres beige. Surtout au niveau de la dentelle. Parce qu'en fait, je voulais qu'elle ressorte. Je la voulais la laisser blanche au départ. Mais bon, comme j'ai fait bêtise sur bêtise, mais du coup... Vous voyez? Donc je le fais à plat. Enfin, l'éponge à plat. Pour essayer de faire ressortir que les petits détails. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne peux pas trop le bouger puisqu'il y a la peinture là. Et du coup, je vais faire pareil, mais là, sur les... Sur les reliefs. Voilà ce que ça donne. Oups. Là. Je laisse sécher tout ça, puis on se retrouve après pour la suite. Donc, alors, c'est presque sec. Hein. Donc, voilà. Je voulais venir là, foncer un petit peu quand même autour de la photo. Donc, je ne sais pas laquelle prendre en fait. Parce que je voudrais pas trop le foncer. Mais je voudrais quand même que ça fasse l'effet un peu vintage quand même. Vous voyez, je ne sais pas si je suis assez claire en fait. Donc, je vais essayer de mettre juste sur les bords de l'encre. Donc, c'est la vintage photo. Hein. Là. Avant de continuer, je vais vérifier si ça marche. Donc, je vais prendre un pinceau fin avec un tout petit peu d'eau. Et je vais juste venir le foncer. Voyez. Mais vraiment, juste les bords. Hein. Alors, on va faire autrement. Hop. Donc là.
De toute façon, là, pour moi, la photo, là, c'est loupé. Donc, mais bon, je vais quand même le finir. Après, peut-être, par contre, que plus tard, je le referai pas. Oups. Comme ça, pas. Fait que je l'arrangerai pas, quoi. Donc là, je viens mettre un peu d'eau pour éclaircir et étaler. Je viens essuyer un petit peu pour estomper un peu tout ça. Même peut-être encore un peu à certains endroits. Et si je vois que j'y arrive pas comme ça, on prend un peu d'eau. Et on estompe. Ah, voilà. Donc, on tapote. Hop. Après, mais ça, je le ferai. Quand ce sera vraiment fini, fini, ou peut-être la semaine prochaine, c'est parce que je dois partir là, donc du coup, j'aurai peut-être pas le temps de le finir cette semaine, mais je viendrai mettre du Glossy Accent effet craquel que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, chez les Anglais, et ou alors du vernis céramique de chez K-Diffusion. Voilà, pour donner de la brillance, et en plus, comme ça, moi je sais que. Ce genre de produit, ça fait un effet vintage par-dessus, puisque justement, la vintage que j'ai mis là, du coup, ça vient. Enfin, le vernis vient prendre la couleur, en fait. Donc, ça fait un effet vintage jauni, en fait. Photo vieille, voilà. Donc, à voir, à tester. Ensuite, alors, du coup, ça, je le mets là. Je voulais venir voir. Du coup, je vais pas mettre le grip, ça va pas le faire. Voyons, celle-là peut-être. On va essayer avec la nouveau pour voir ce que ça donne. Là-dessus, si ça éclaircit. Ah ouais, voilà. Alors, c'est là. Chylite, la référence. C'est un blanc crème un peu rosé. Et du coup, là, je vais venir donner du brillant et ça va éclaircir un petit peu. On peut très bien le faire aussi avec le gesso. Mais moi j'aime bien quand ça brille. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc du coup. Voilà. Donc ça, je vais venir en mettre pour faire ressortir un petit peu les détails. Je l'arrangerai après le derrière. Quand je serai de l'autre côté. Donc, on m'a demandé où je trouvais les moules. Donc, je redis les moules. C'est Stamperia. Je les achète sur Mille et Une Créations. Et Horizon Créatif pour la plupart. Là, il n'y a pas de Prima. Le pochoir, il vient de chez AliExpress. Voilà.
Que dire d'autre? Les petits anges viennent de chez AliExpress. Je crois que c'est tout. La toile vient de chez Action. Voilà. Après, faut savoir que pour ce qui est moulage, estampéria, tout ça, tampons, ces derniers temps, c'est surtout chez Mille et Une Créations que j'achète et sur Horizon Créatif. Voilà. Car c'est les moins chers et c'est ceux qui ont vraiment ce que j'aime. Donc, du coup, je suis très, très. Patrick et Eliane de Mille et Une Créations et Ninon qui tient la boutique d'Horizon Créatif. Donc, c'est ceux qui sont les moins chers et surtout qui ont ce qui me correspond, quoi. Voilà. Donc, pratiquement tous les moulages, enfin, les moules viennent de là. Les encres, les nouveaux, c'est Mille et Une Créations. Les encres, ben aussi, pour la plupart. Voilà. Voilà. J'essaye de te répondre, comme ça, au moins, si jamais j'ai pas le temps de passer sur les commentaires, et bien au moins, tu auras ta réponse. Voilà, c'est. Je sais plus qui c'est qui me demandait ça. J'ai vu ça tout à l'heure, mais impossible de répondre. Ça tournait dans le vide. Donc, il va falloir qu'il fasse quelque chose là pour Internet parce que c'est plus possible. Voilà. Après, bon, ça, moi, je le fais au pinceau là parce que. J'ai des rendez-vous après, mais j'ai pas envie de m'en mettre partout. Mais on peut très bien aussi le faire au doigt. C'est juste qu'après, c'est un peu plus long pour partir. Hop. Voilà. Je repasserai après, je l'arrangerai après. Et là, je vais juste venir par-ci, par-là, frotter sur la dentelle pour la faire ressortir un peu plus. Mais alors là, vous voyez, je frotte. Hein, pour qu'elle ressorte. Bon, là, je préférerais le faire quand même avec le doigt. Ce serait plus facile. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire après. Avec autre chose, hein. Si vous êtes doué avec l'acrylique, vous pouvez le faire avec de l'acrylique métallique. Après, c'est vraiment avec ce que vous avez. Hein. Voyez, je frotte juste par-dessus. Pour essayer qu'il y ait que la dentelle qui ressorte. J'aimerais bien pouvoir le finir aujourd'hui. Donc, aussi, vous pouvez prendre un pinceau plus grand, hein, parce que là, j'ai pris un petit quand même. J'aime bien celui-là parce que ça éclaircit beaucoup.
Moi, je m'en sers pas mal pour éclaircir mes créations quand je vois que c'est un peu trop foncé par rapport à ce que j'aurais souhaité au début. Et du coup, donc voilà, on va arrêter là quand même. Je verrai après pour le reste. Voilà, du coup, ça ressort mieux. On le voit un peu mieux. Après, on peut très bien mettre par-ci, par-là. Des petites touches pour éclaircir. On va mettre un peu dessous, même si ça se voit pas, mais au moins. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Oups. Donc, voilà en gros ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher un petit peu quand même, hein, pour que ben, on va se retrouver après pour la suite. Je vais allumer le pistolet à colle chaude et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai attendu un peu, c'est pas tout à fait sec mais presque. Hein, donc voilà. Donc là, je suis venue mettre un peu de vintage, peinture vintage blanche dans ma petite assiette, et avec une éponge je vais venir tapoter par-ci par-là juste pour donner un peu de blanc. Vous voyez, juste pour éclaircir un peu parce que je trouve que c'est beaucoup trop foncé, donc je manque un peu de place. Je vous avouerai que je manque un peu de place. Et je ne suis pas douée. C'est un truc de dingue. Un jour, peut-être, je serai un peu plus douée avec de la peinture. Je sais pas. Pareil. Je vais en frotter un petit peu aussi sur mes moulures. Juste pour éclaircir un peu. Ça se voit pas. Ça se voit pas beaucoup. Hein. Je vous dirais que c'est vraiment manière. Hein. Je vais l'éclaircir un peu quand même. Un petit peu sur les anges aussi. Ça se voit clairement pas. En fait, j'essaye de faire un peu le même principe que quand on vieillit avec la vintage et tout ça, mais en blanc, en plus clair en fait.
C'est pas gagné. Je vais laisser tranquille pour le moment parce que voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça, je vais le mettre un peu plus loin. Là. Je vais regarder. Je voulais mettre une dentelle autour. Même si ça ne plaît pas à mon mari, c'est pas grave. Moi, je veux de la dentelle. Donc, je regarde ce que j'ai comme dentelle. Et puis, on se retrouve de suite. Donc alors, pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, ça ne vous étonnera pas, j'ai choisi cette dentelle avec les perles. Donc malheureusement, c'est une des rares qui me reste, parce que je n'en trouve plus. D'ailleurs, je lance un petit appel à celles qui pourraient en avoir. Je veux bien vous les acheter si vous ne vous en servez pas, ou si vous savez où il y en a, parce qu'à Action, ils les ont plus. Et j'avoue que ben moi ça me manque un peu parce que je vois que je n'ai pratiquement plus de celle-là. Et voilà. Donc petit appel si jamais vous savez. Moi je prends. Donc comment on va faire ça? On va mettre comme ça. Et donc là, alors je vais venir. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir. Là, et je vais venir tout le long. Mettre ma dentelle. Voilà. Donc, vous y voyez rien, bien sûr. Je vais essayer de vous monter un peu. Je suis pas convaincue que vous y voyez quand même. Mais au moins, j'aurais essayé. Donc, je commence. Donc, je vais venir mettre tout au bord, les perles, là, au bord. Donc, comme ça, en plus, ça ressortira de l'autre côté. Bien sûr, j'ai vérifié et j'espère que je ne me suis pas trompée. Qu'il y en a assez pour faire tout le tour. Et je vais faire ça tout le long. Un bâton de colle. Désolée, je parle pas parce que je suis concentrée. Donc du coup, bien sûr, la dentelle est facultative, mais bon, ben, vu que c'est pour moi, je me fais plaisir et un attrape-rêve par définition pour moi, c'est de la dentelle. Dentelle et plumes, c'est la base.
Vous n'êtes pas d'accord? Elle attraperait. Bon, c'est un peu bancal mon truc, mais bon, c'est pas grave. Hop. Là, je regarde où ça va arriver pour couper. Et je viens finir de le coller. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez là, tout le tour. Après, quand ce sera un peu plus sec, de toute façon... Ça va se faire. Du coup, non, on va pas exagérer. Non, si j'en mets là, mon mari va péter les plombs. Il va me dire, tu m'énerves avec ta dentelle. Je vais rester tranquille. Par contre, je vais mettre des fleurs. Non, ben les fleurs, je les attrape et puis on se retrouve dessus. Donc alors, j'ai sorti plusieurs fleurs. Bon, ben, je vais pas mettre les bleus, mais bon, voilà. Des fleurs à dentelle, des roses satin, des petites roses mousse. Voilà, j'ai sorti un petit assortiment. Et du coup, ben, je vais venir voir où j'en mets, ce que je fais. Donc... Déjà, je voulais en mettre sous les anges des petites fleurs. Alors, attendez, parce que j'ai des pailles comme ça qui sont magnifiques et elles iraient super bien dans le thème. Donc, je voulais voir si je pouvais les mettre. J'avais envie de mettre des pailles comme ça. Elles sont trop jolies, j'adore. Et en fait, ça pourrait faire le... Là où sont assis les anges. Je trouve que ça ferait super joli. Et on pourrait même faire comme un petit escalier. Ou alors... Voyons. Voyez. Ah, j'aime bien comme ça. Et donc là, vous voyez, faire un truc ouais, allez, on va les mettre. Tant pis. Hop, j'ai pris le fil. Donc, on va mettre ça. Voilà. On va les mettre en décalé un petit peu. On va faire de ce côté. Et l'autre de ce côté. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Là, pour le coup, c'est mon petit truc perso. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. D'ailleurs, la personne qui me les avait offert, c'est pas ailleurs. C'est que c'est des trucs que j'adore. Donc,
Non, voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Du coup, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Du coup, j'aurais bien mis celle à dentelle, forcément. Forcément, c'est mes chouchoutes. Donc déjà, ouais, je vais en mettre une sur l'angle là. Donc là, je viens coller le diamant puisque je vois qu'il n'est pas trop bien collé. Je vais en mettre une de l'autre côté aussi. Ça fera la sortie. Du coup, celui-là. Je la range là parce qu'elle me plaît pas trop. Ensuite. Là, ça va faire beaucoup là. Ouais, ça le fait pas. On va peut-être pas pousser. Des roses comme ça. Mais elle va être un peu grosse, je pense. Parce que celle-là, j'aime bien, il y a le petit tube avec. Vous voyez, c'est bien. Mais elles sont trop grosses. Bon, tant pis. On va prendre des plus petites. Ouais, celle-là, elles sont mignonnes. On va mettre celle-là. Après, pareil, les fleurs. Si vous n'aimez pas les fleurs, vous n'en mettez pas. Voilà. J'aime les fleurs. Bon, mon mari peut-être moins il se met. Hey. Là, par contre là ça va faire beaucoup trop peut-être. Voyons. Oh non, ça va. Là. Donc là, hop. Des petits en satin peut-être. Donc c'est des crus, hein, c'est pas des blanches. Donc j'aurais pu mettre des blanches. Mais j'en ai pas. Non. Mais j'en ai pas. Donc on va mettre les petites roses écrues. Hop. Par contre, là, je vais laisser le vert parce que je trouve que ça va super bien. Donc.
je vais juste en mettre une à chaque coin ici. Voilà, juste une manière. Voilà. Là, je vais venir faire un petit tapis de rose quand même. Là, je rajoute de la colle parce que j'ai l'impression que ça ne veut pas coller. Non, ça va. C'est pas tout à fait sec encore. Non, bien sûr qu'après, je viendrai quand même voir pour le... pour recoller si ça se décolle. Parce que ça a un peu tendance à se décoller du coup. Et... je me suis cramée, mais c'est pas grave. Donc ensuite, elles sont quand même grosses celles-là. Non, elles sont trop grosses celles-là. Voilà, celles-là sont bien. Donc je vais venir faire un tapis de rose ici. Donc parce qu'en fait du coup au lieu des perles sur mon attrape-rêve, je vais y mettre des fleurs plutôt. Parce que c'est un peu shabby quand même et du coup moi j'aime bien quand c'est shabby. J'aime bien quand c'est doux. C'est un mélange en fait. Cette attrape-rêve, c'est vraiment un mélange de tout. De ce que j'aime, de... c'est bizarre. C'est pas l'attrape-rêve normale, comme on peut l'entendre. Les fleurs, c'est pareil. Si je vois qu'après elles tiennent pas très bien, je viendrai rajouter un peu de colle. Donc là, vous voyez, je vais juste faire la bordure de fleurs. J'appuie quand même un peu. Ça c'est rose, c'est une couronne que j'avais achetée il y a un moment à la Farfouille, je crois, au centre Accord, je sais plus. Non, la Farfouille, il me semble. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Là du coup, je vais arrêter là. Peut-être je viendrai en mettre après ici. Je sais pas. Je sais pas trop comment on va faire ça encore. Non. Pour le moment, je sais pas. Vous voyez là, il faudrait que je le tienne un petit peu. Que je le colle un peu. Je verrai après parce que... on verra. Là, par contre... bon, on va pas mettre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Non plus. Bon. Donc ça. Je crois que je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais venir m'occuper de décorer les dentelles, pardon. Donc, je vais prendre les plumes noires. J'avais sorti des plumes grises aussi. C'est les noires. Bon, après, dans ce bazar, ça commence à s'entasser. L'idéal, ce serait que je range un peu hein, pour continuer. J'ai pas trop le temps. Si je voudrais finir avec vous.
assez rapidement. On aurait pu rajouter de la ficelle comme ça là pour ah ouais, ça ferait super sympa du coup. Voyons. Ouais, on va rajouter de la ficelle. Donc, je regroupe un peu tout. J'essaye de ranger un tout petit peu. Puis on se retrouve de suite parce que là, je trouve plus rien. Donc, on se retrouve de suite.